Voilà. Il y a des gens qui manifestent tout le temps, qui vous soutiennent. Et s'il y a des gens qui veulent organiser des marches de contestation de votre pouvoir, est-ce que vous allez les laisser faire? Ce n'est pas mon pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. C'est vous qui êtes le président. Oui, mais c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui a décidé que nous soyons là. Ça, il faut que vous le compreniez. Et si une autre partie du peuple dit, on va manifester contre le pouvoir actuel, est-ce que vous êtes prêt à les accepter? À les accepter, ça, ils peuvent manifester. Il n'y a pas de problème. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre depuis la présidence où le chef de l'État se prête une fois de plus à l'exercice de l'entretien télévisé. Un an d'accession au pouvoir, plusieurs chantiers entamés, d'autres poursuivis, des changements dans la configuration diplomatique des relations. Et ce qui retient encore plus l'attention des Burkinabés, le volet sécuritaire et l'espoir, Monsieur le Président, que votre arrivée au pouvoir a suscité. Nous évoquerons autant de sujets et bien d'autres. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Et pour mener à bien la tâche qui nous a été assignée, je suis avec mes confrères Patenema Oumar Ouedraogo des éditions Sidoya et Ismaël Ouedraogo de la télévision Burkina Info. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, Ruth. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir, Ruth. Bonsoir, Monsieur le Président. Excellence, cela fait une année que vous êtes dans le fauteuil présidentiel. Jeune capitaine de 35 ans qui ne s'était pas tracé un destin politique. Et depuis votre arrivée, à l'image des récents événements que nous avons connus, chaque jour pratiquement a été jalonné par des questions d'État. Excellence, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui et comment est-ce que vous vivez tout ceci? Depuis le premier jour, nous avons dit que nous avons été révoltés par des faits, ce qui a conduit donc à entreprendre ces actions. Le peuple a bien voulu, depuis ce jour, nous confier donc la destinée de cette nation, chose que nous assumons pleinement. Certes, ce n'était pas l'objectif, comme vous l'avez signifié, mais la mission est sacrée, on nous l'a confiée, et nous avons juré de mener à bien cette mission. Donc, on se sent de plus en plus réconforté tant que le peuple est avec nous. Et cette mission va l'amener à bien. Les derniers événements, Monsieur le Président, c'était les 26 et 27 septembre, avec notamment ce qui s'est passé au Burkina Faso. Vous avez fait un tweet en disant « Je rassure de ma détermination à conduire la transition à bon port, en dépit de l'adversité et des différentes manœuvres ». Alors, comment vous vivez ces événements, ces multiples rebondissements contre votre pouvoir? Il faut d'abord signifier que, comme je dis, l'itinéraire emprunté est difficile. Nous avons une lutte à mener contre l'impérialisme. Et l'impérialisme, ce n'est pas uniquement ceux qui sont à l'extérieur, c'est surtout les valeurs locaux sur place. Ce sont des choses que nous vivons depuis le premier jour. Mais bon, on s'était dit que c'est logique. Lorsque nous nous sommes révoltés, 2 mois, 3 mois, les gens peuvent, certains peuvent ne pas être contents. Jusqu'à 6 mois, on observait. Même à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Ça continue, on a mis en garde plusieurs fois. Et ben, on ne peut pas concevoir qu'un an après que le peuple ait choisi son itinéraire, que nous sommes dans une nouvelle configuration, que des gens s'opposent à cela. C'est-à-dire que c'est la tolérance zéro désormais contre toute personne qui s'aventurerait à déstabiliser votre pouvoir? Ne dites pas notre pouvoir, je dirais toute personne qui voudrait, c'est-à-dire se mettre en travers de la marche de ce peuple-là. Il n'y aura pas de sentiment. Ça, c'est terminé. Nous avons assez sensibilisé, nous avons assez parlé aux gens. Et voilà. Ce n'est pas comme si on ne les connaît pas. Nous les connaissons. Certains sont venus ici, nous les avons dit. On vous flatte. L'impérialisme n'a pas d'amis. Peut-être que certains se sentent obligés parce qu'ils ont peut-être des serments qu'ils ont prêtés avec les impérialistes et il les faut aller au bout. C'est fini. C'est fini. Monsieur le Président, des sous-officiers, des officiers aujourd'hui, est-ce que toutes ces arrestations ne montrent pas qu'il y a un malaise au sein de notre armée au Burkina Faso? Pas de malaise. Ce sont des individus manipulés. Voilà. Il n'y a pas de malaise. Les hommes se battent au front. Il n'y a aucun malaise. Et si vous regardez ceux qui sont dans ces situations-là, ce n'est pas forcément des gens venus du front. Donc les Burkinabés se battent. On ne peut pas concevoir que d'autres qui sont à l'arrière
ils se permettent de rentrer dans certains projets. Et en fait, il faut reconnaître que les impérialistes, ils sont très malins. Ils peuvent prendre quelques individus avec qui ils traitent, et ces individus se sentent obligés d'aller au bout parce qu'ils sont menacés aussi. S'ils ne vont pas au bout, ce qu'ils ont pris ou bien les serments qu'ils ont prêtés avec eux, ils auront des problèmes. Mais ils vont embarquer d'autres personnes dedans. C'est peut-être que les gens soient intelligents. Mais voilà, il n'y a pas de problème majeur. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais ça fait partie. Excellence, l'un des gros sujets d'intérêt pour la population, c'est bien la question sécuritaire, la sécurité et la défense. Une année après, le Burkina qui continue d'essuyer de lourdes attaques, comme on l'a vu à Conakry il y a quelques semaines. Alors, 53 morts, ce fut énorme, monsieur le Président. On aimerait un peu comprendre ce qui s'est réellement passé. Les batailles, il y a des morts. Mais 53, on trouve ça trop. Sûrement que quelque chose n'a pas fonctionné. Les enquêtes sont en cours aussi. S'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné à notre niveau, qu'on puisse régler ça rapidement. Mais il faut reconnaître que Combri, c'était une action audacieuse. C'était très audacieux parce que c'est une zone qui a été abandonnée, qui était sous contrôle terroriste. Donc, vous savez très bien, depuis 2021, personne n'y a mis pied. Il faut y aller. Toutes ces zones où on est absent depuis des années, nous allons y aller. Ce sera des batailles très dures, il faut s'y attendre. Mais nous sommes là pour ça, il faut qu'on y aille. Alors pour rester dans cette région, Tangaï, c'est une des communes rurales qui a été reconquise il n'y a pas très longtemps, avec à la clé l'installation d'une base militaire et même le retour des populations. Sur le terrain, vous pourrez le constater. Voilà. Il y a des choses même que nous voyons souvent qui ne nous plaisent pas forcément. Parce qu'il arrive que certains communiquent, on a reconquis tel village, les gens ont rejoint. Peut-être que d'autres personnes contestent ça, notamment sur vos plateaux télé. Mais ça constitue des victoires pour vous. C'est symbolique en termes de victoire pour vous, naturellement. Je suis d'accord, mais vous voyez ce qui se passe. Lorsqu'il y a ce débat-là, d'autres disent oui, c'est reconquis, d'autres disent non. Les villageois se mettent à se filmer eux-mêmes dans leur village pour prouver que c'est reconquis, et les voilà au marché, ainsi de suite. Bon, nous, dans notre stratégie, je dirais, ça ne nous plaît pas trop. Nous voulons que ça... Ceux qui veulent le constater, ils peuvent aller sur le terrain. Il y a des zones où aujourd'hui vous partez, vous circulez. Donc c'est mieux que les gens aillent constater. Mais on ne veut pas que les gens s'exposent en se filmant et puis en montrant. Le Premier ministre a dit il y a quelques mois qu'on était à 60% de couverture du territoire. Quelques mois plus tard, nous sommes à un an de votre pouvoir, du MPSR2. Vous pouvez quand même donner une idée de la reconquête du territoire burkinabé à l'ensemble des citoyens qui nous regardent. Il n'y a pas cette partie du Burkina où nous ne pouvons pas mettre pied. Les populations de Djibo, de Dori qui nous regardent diront « Nous sommes sous blocus, il faut des convois pour venir vers nous. » Oui, même si demain nous sommes à 100%, on fera peut-être des escortes. On va protéger nos itinéraires. Parce que c'est une guérilla, c'est une guerre. Deux, trois, quatre individus sortent et voilà, commettent des dégâts sur quelques camions et puis ils disparaissent. Et voilà, donc on va toujours protéger nos itinéraires, on va toujours escorter nos commerçants et tous ceux qui se déplacent. Alors l'une des plaintes, c'est le temps que ça met. Je prends l'exemple de la ville de Nouna qui a été ravitaillée rien que le mardi. Mais là, on a mis pratiquement un mois pour ravitailler cette localité-là. Bon, peut-être le délai est dû peut-être aux conditions du terrain. Avec la saison, peut-être c'est pas facile. Et la planification des missions, donc dans ces... Une situation là, c'est pas aussi simple, mais ce sont les choses qu'on va rattraper. Alors, Excellence, une année après votre arrivée au pouvoir, est-ce que, au regard de la configuration des choses dans la lutte antiterroriste, vous êtes toujours dans la pensée que les armes seules suffisent à vaincre le phénomène? Nous ne sommes pas dans les armes seules, nous sommes dans la communication aussi, n'est-ce pas? On a fait comprendre que nous connaissons le problème et que les gens devraient s'abstenir de se lancer donc. Dans ces mouvements-là, parce qu'on sait ce qui a amené les gens à prendre les armes, éventuellement à rejoindre les camps de ces criminels-là. Ça, c'est de la communication. On a assez communiqué pour les dire de se soustraire de cette lutte-là, parce que nous savons ce qui a amené ça. Voilà, on a sensibilisé beaucoup. Ça, ça fait une partie. Les armes, ça fait bien sûr partie. Mais il y a le développement aussi. Donc, nous avons lancé les deux volets en même temps. On crée de l'emploi, on crée des opportunités. C'est ça l'objectif. Est-ce que les Burkinabés qui ont pris des armes contre leur pays, vous êtes prêts à faire des démarches, même si elles sont souterraines, parce que le retour de la paix n'a pas de prix? Démarches souterraines, je ne sais pas. Je parle des négociations éventuellement ou des dialogues avec certains Burkinabés. On ne les connaît pas.
qui les connaît? On les connaît que lorsqu'ils apparaissent avec les armes, et voilà. Donc, on ne sait pas avec qui on va dialoguer. C'est pour ça justement qu'on parle sur les antennes, pour que chacun puisse comprendre que ce n'est pas la bonne formule et qu'ils doivent arrêter. Mais si les gens ne déposent pas les armes, voilà, on passe par la manière des armes aussi. Alors, il y a environ 5 mois, vous disiez que la guerre était au stade de l'introduction. Alors, à ce jour, la guerre est à quel niveau? Je dirais qu'on est toujours à l'introduction, parce que l'équipement qui doit venir, ça commence un peu. On n'est même pas à 10% d'abord. La guerre n'a pas encore commencé? Nous sommes à l'introduction, comme on l'a dit. Les opérations sont plus aériennes et souvent aéroterrestres. Nous avions beaucoup de soucis, que ce soit l'effectif, l'organisation, l'équipement, ce n'était pas ça. On se disait qu'il y avait de la logistique, des armes et tout, mais on ne voulait pas nous donner. Mais on est arrivé, on a constaté que ce n'était pas le cas. Il n'y avait rien, les gens n'ont pas préparé la guerre. Pendant que ça fait des années de guerre. La première des choses, c'était de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a dans nos soutes. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, on ne pouvait même pas trouver 200 Kalachnikov en réserve. Pour l'ensemble du territoire burkinabé? Bien sûr. 200 Kalachnikov? Il n'y en avait pas en réserve dans les soutes. On a envoyé des missions, aller vérifier. Vous pouvez aller, vous êtes des journalistes. Allez-y au niveau du matériel, vous les demandez en octobre qu'est-ce qu'il y avait, quelle quantité de munitions il y avait. On ne pouvait pas communiquer. Ce n'était pas nous en son temps qui allons sortir et dire « Ok, nous on croyait que, mais c'est pas ça. C'est une information qu'on donne aux terroristes. » Il fallait s'équiper, être à un niveau. Aujourd'hui, je peux le dire, parce que nous avons au moins ça, 10 000 fois peut-être cette quantité aujourd'hui. Donc... Excellence, si à quand pourrons-nous véritablement estimer le début de cette guerre? Ça a débuté, comme je l'ai dit, parce qu'il y a eu quand même de l'équipement qui est venu, nous sommes à l'introduction. Mm-hmm. Voilà, donc et vous qui l'avez atteint le développement maintenant? Peut-être qu'il y avait de la logistique, des armes et tout, mais on ne voulait pas nous donner. Mais on est arrivé, on a constaté que ce n'était pas le cas. Il n'y avait rien, les gens n'ont pas préparé la guerre. Pendant que ça fait des années de guerre. La première des choses, c'était de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a dans nos soutes. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On ne pouvait même pas trouver 200 Kalachnikov en réserve. Pour l'ensemble du territoire burkinabé? Bien sûr. 200 Kalachnikov? Il n'y en avait pas en réserve dans les soutes. Okay. On a envoyé des missions, aller vérifier. Vous pouvez aller, vous êtes des journalistes. Allez-y au niveau du matériel. Vous les demandez en octobre qu'est-ce qu'il y avait, quelle quantité de munitions il y avait. On ne pouvait pas communiquer. Ce n'était pas nous en son temps qui allons sortir et dire « Ok, nous on croyait que, mais c'est pas ça. C'est une information qu'on donne aux terroristes. » Il fallait s'équiper. Être à un niveau, aujourd'hui je peux le dire, parce que nous avons au moins ça, 10 000 fois peut-être cette quantité aujourd'hui. Donc, excellence, si à quand pourrons-nous véritablement estimer le début de cette guerre? Ça a débuté, comme je l'ai dit, parce qu'il y a eu quand même de l'équipement qui est venu, nous sommes à l'introduction. Mm-hmm. Voilà, donc vous qui l'avez atteint le développement maintenant? Oui, ne vous en faites pas. Vous ferez partie des grosses missions dans les jours à venir. Avec plaisir, Excellence. Je voudrais qu'on reste là-dessus une fois encore. Vous avez dit au début, c'était des petits problèmes logistiques et de considération de la vie humaine. Est-ce qu'une année après, vous maintenez les mêmes propos? Je dirais pire que ça. Parce que nous n'avons pas compris comment on n'a pas pu s'équiper, avoir un minimum pour faire la guerre. On était très surpris de voir qu'on n'avait rien. Même le côté logistique, les gens quittaient, lorsque vous voulez organiser des opérations dans un groupement, vous quittez Kaya ou Bobo pour venir à Ouagadougou. Vous gagnez quelques 5-7 pick-up, vous êtes content, vous repartez, vous faites, et vous venez réintégrer ici. Aujourd'hui, aucun groupement ne vient à la portion centrale pour chercher ses moyens. Ils ont tous leurs moyens, ils font leurs opérations. C'est en un an. N'est-ce pas là l'occasion pour vous de faire la lumière sur l'audit au niveau des forces armées? Parce que vous avez dit qu'il n'y avait rien. Tout cet argent qu'on investissait, finalement, dont on parlait, est-ce que vous êtes prêt à faire toute la lumière? Parce qu'il faut quand même faire un audit pour comprendre pourquoi on n'avait pas des armes alors qu'on était en guerre depuis près de 7 ans. Il y a une justice militaire, et il y a même la justice civile. Il y a beaucoup de structures de contrôle. Nous avons donné le temps. Et je pense qu'on est même allé loin. Vous avez vu entre-temps une réorganisation dans la justice militaire. Est-ce que vous avez cherché à comprendre ce qui s'est passé? On va même réorganiser parce qu'il y a des dossiers qui sont là-bas. On dit qu'il faut que ça avance vite. Il faut que le Burkinabé sache ce qui se passe. Les officiers milliardaires en question, vous en avez parlé. Est-ce que vous allez les traquer jusqu'à leur dernier retranchement afin qu'ils rendent au peuple ce qu'ils ont pris indûment? Ce que je souhaite, même, ce n'est pas les officiers seulement qui sont fautifs dans cette affaire. Il y a des militaires, il y a des civils. Vous savez très bien. Vous savez qu'il y en a qui ont été découverts, mais est-ce qu'ils ont été jugés? Rien.
Allez-y aussi demander à la justice, faites vos enquêtes, demandez-leur quelle est la situation. Parce que je pense que lorsqu'il y a des situations comme ça, il y en a même qui ont... Voilà, il y a des structures de lutte contre la corruption qui ont porté plainte contre certains individus dans ce pays, allant dans ce cadre-là, mais il n'y a rien eu, non. Excellence, on va s'intéresser également à celle au sein de l'armée. C'est un aspect qui vous tient à cœur, mais il y a également un volet important sur la cohésion et l'entente au sein de cette armée. Bien avant votre arrivée, plusieurs observateurs avaient fait cas de division et de gestion clanique au sein donc de notre armée. Mythe ou réalité? Et si réalité, est-ce que vous êtes parvenu à restaurer la cohésion? Ce que je vous dis, la question de cohésion, il faut le prendre sur plusieurs angles. D'abord, on a dit une armée qui combat par, non, on aime dire par cotisation, c'est compliqué. Quand on dit unité, je pense que c'est du français. L'unité, ça fait un. Mais l'armée, c'est des unités. Mais on n'avait pas d'unité en tant que telle. Juste quelques unités constituées. Donc, il fallait se réorganiser. Aujourd'hui, nous avons plusieurs bataillons. Des hommes qui sont ensemble, qui se connaissent très bien et qui travaillent ensemble. Ça, déjà, c'est la cohésion commence par ça. Lorsque vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, vous affrontez le terrain ensemble, vous ne pouvez qu'être unis. Donc nous sommes dans cette phase et tous les combattants sont unis. Ils sont dans des unités et ils sont voilà, en bonne cohésion. Ce que vous entendez un peu par-ci par-là des problèmes de cohésion, je dirais que ce n'est pas des problèmes en tant que tels. Voilà, c'est des individus. Vous savez, il y en a qui ne croient pas du tout qu'on peut aller nous-mêmes. Pour vous dire clair, lorsque nous avons décidé de nous séparer de certains partenaires, il y a des officiers qui ont carrément écrit, les fiches sont là. D'autres sont venus nous voir, on ne va pas tenir un mois. Tant que c'est, en fait, ils sont pessimistes, ils ne croient même pas en eux. Donc ces gens vont véhiculer des messages. Voilà, en ville et tout, il y a problème de cohésion, on n'est pas d'accord avec ça. Non, on tient. Quel avenir pour la gendarmerie nationale? Comme vous êtes là, vous pouvez le dire publiquement devant les citoyens. Elle va exister, il n'y aura pas de projet éventuellement au niveau de la gendarmerie? Qu'est-ce que la gendarmerie a fait de mal? S'il y a des individus à la gendarmerie qui font du mal au peuple, ils vont répondre. Voilà. Si demain c'est toute la gendarmerie, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'est quelques individus à l'intérieur de la gendarmerie qui sont manipulés. Donc vous le rassurez, la gendarmerie ne sera pas dissoute, comme le disent certains langues. qui vous a dit ça? Beaucoup de choses se disent. C'est une guerre de communication, c'est une guerre psychologique. Donc, vous savez, les gens sont très intelligents dans le mauvais sens. Voilà, c'est des fuites en avant. Ils s'imaginent ce qu'on va faire si jamais. Voilà, donc je dirais aux gens de ne pas s'intéresser à ces propos-là. Voilà, on sait ce qui se passe. C'est des gens qui sont intelligents, mais dans le faux montage. Les détachements militaires burkinabés, on en parle, Excellence, parce qu'il y a eu des attaques. On a des victoires aussi, c'est la guerre avec des défaites aussi. Quel est le point des détachements militaires actuellement au Burkina Faso? Le point, c'est-à-dire au niveau du maillage du territoire. Oui, les détachements ont toujours existé, mais le maillage, je ne parlerai pas des détachements, c'est le nouveau redécoupage. Nous avons redécoupé en 6 groupements et nous avons souhaité que les groupements soient autonomes. Ce que nous essayons de faire en moyens logistiques, armes, munitions, tout. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, un groupement, pour faire ses opérations, n'a pas forcément besoin de venir à l'arrière pour demander quoi que ce soit. Ils ont tout le nécessaire à leur niveau. Ils sont autonomes carrément sur le côté financier. Ils sont vraiment autonomes. Voilà, donc c'est ça le plus important. Et chaque groupement gère les détachements. Ils peuvent déplacer certains détachements ou créer d'autres. C'est eux qui repositionnent pour savoir quels, en fonction des couloirs d'infiltration et tout, où est-ce qu'ils vont se positionner. Excellent. Je vais vous poser une question sur les soldats. Est-ce que vous avez prévu d'améliorer leurs conditions opérationnelles sur le terrain, que ce soit sur le plan matériel, mais sur le plan financier également? Sans vous mentir, moi j'ai un rêve pour le soldat. Et je vais vous dire clairement, ce sont des gens qui se sacrifient pour cette patrie-là. C'est ce qu'on a essayé de faire pour les VDP, améliorer un peu. Vous savez que le soldat aujourd'hui, sa solde indiciaire, ce n'est pas ça. Nous tous, nous sommes soldats. Hein. Et à la retraite, il y a des soucis. Ce sont des choses. On veut faire la guerre, récupérer nos terres et exploiter nos ressources. Et je pense que quand l'économie se portera mieux, on va revoir la condition du soldat. Il faut qu'il vive bien et qu'à sa retraite, il puisse vivre dignement. Voilà, même les questions de logement et tout, on y réfléchit, on a déjà beaucoup de plans. Et pour ce qui concerne également les VDP? Nous avons déjà fait un petit effort. Je pense que les VDP, ils n'étaient pas payés à ce coût-là.
On était à 20 000, vous êtes passé à 60 000 aujourd'hui. Voilà, c'est largement au-delà du SMIC. Et on compte aller plus loin. Voilà, mais je dis, tout dépend de la situation économique du pays. Plus on reconquiert et qu'on arrive à entretenir l'économie, voilà pourquoi j'ai dit les deux vont ensemble. On va améliorer leurs conditions. Les VDP, ce sont des gens, c'est des civils comme vous, qui en quelques jours de formation, mais ils acceptent d'aller se sacrifier. Mais est-ce que vous avez prévu d'améliorer au moins, parce que les familles des VDP aussi commencent à donner de la voix sur cette question-là? Oui, c'est des réflexions qui sont en cours, même les 10 millions de soldats, c'est des réflexions qui sont en cours. Vous voulez augmenter ça maintenant pour les familles? Non, pas question d'augmenter, il faut réfléchir à l'emploi. Vous avez vu des reportages où les familles se font la bagarre pour ça. Et ce n'est pas intéressant, et on connaît aussi beaucoup de familles de soldats tombés qui peinent à pouvoir rentrer, parce qu'il y a des conflits. Ça, ce n'est pas intéressant. Il faut qu'on réfléchisse à une formule pour que ça puisse bénéficier à la famille du soldat. Et on va réfléchir à la même formule pour les familles des VDP. Une formule juste qui ne va pas heurter les sensibilités africaines, parce qu'il ne faut pas que l'argent soit objet de division. Excellence, l'opinion s'intéresse également à la coordination du travail sur le terrain entre FDS et VDP, parce que de plus en plus, on a le sentiment que les VDP tombent beaucoup plus au front. Et l'opinion aimerait savoir comment est-ce que tout ceci est organisé. Il y a une bonne collaboration. Pour la plupart du temps, tout se passe très bien. Ils évoluent ensemble. Voilà. C'est quelques localités où il n'y a pas de... C'est rare qu'il y ait des localités où il n'y a pas de FDS. Soit il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a des localités où il y a l'armée. Donc ils sont encadrés sur la plupart des opérations. Mais ce n'est pas une statistique à faire comme ça, parce qu'ils sont peut-être plus nombreux que l'armée. Nombreux que l'armée. On a plus de VDP que de militaires. Vous croyez qu'on a combien de soldats? Quel était l'effectif de l'armée avant que nous on arrive? Allez-y chercher. Si cette année seulement on a fait un recrutement de quoi? 11 000 soldats. C'est totalement une armée. C'est parce qu'on avait un problème d'effectif. Alors, voilà. Est-ce que vous êtes arrivé d'entendre que les VDP ou les FDS refusent d'aller au front? Refuser d'aller? Oui. Jusque-là, on n'en a pas vu le cas. Je pense qu'ils sont plus motivés à partir. Quand on a commencé la formation des VDP, il y a quelque chose même qui se passe qui est très intéressant depuis qu'on a commencé à former les VDP nationaux et tout. Il y a des militaires même qui veulent évoluer aux côtés des VDP, qui veulent aller avec eux. Et il y a beaucoup de bataillons mixtes qui sont en constitution actuellement. Ils s'entraînent. Il y a des militaires et VDP ensemble, ils s'entraînent durement et ils partent. Donc il y a de l'engouement quand même. Et quand on veut les envoyer quelque part, voilà, ils n'hésitent même pas. Actuellement, chacun, tous ces VDP qu'on a recrutés, formés, vous savez qu'au début, on se disait qu'ils n'allaient pas supporter le gilet et tout ça là. Bon, quelqu'un qui n'est pas habitué, qui n'est pas... Voilà, ça peut faire bizarre. Mais ils ont demandé à avoir les gilets casques. Certains croyaient qu'on n'allait pas avoir pour tout le monde parce qu'on a vu la polémique se monter. Tous ont des gilets, des casques, des trucs de protection, tous. Et ça les motive en fait, tout ça, à se lancer. On a des jeunes qui dorment à la place de la nation, qui ont même lancé des messages au capitaine Traoré pour dire « Nous, on veut défendre notre pays, la pluie, le vent nous trouve là-bas. » Vous êtes au courant de ces jeunes-là? Qu'est-ce que vous avez prévu pour eux? Oui, je crois qu'entre-temps, on m'a rendu compte. C'est final dont on parlait. Est-ce que vous êtes prêt à faire toute la lumière? Parce qu'il faut quand même faire un audit pour comprendre pourquoi on n'avait pas des armes alors qu'on était en guerre depuis près de 7 ans. Il y a une justice militaire. Et il y a même la justice civile. Il y a beaucoup de structures de contrôle. Nous avons donné le temps. Et je pense que on est même allé loin. Vous avez vu entre-temps une réorganisation dans la justice militaire. Est-ce que vous avez cherché à comprendre ce qui s'est passé? On va même réorganiser parce qu'il y a des dossiers qui sont là-bas. On dit qu'il faut que ça avance vite. Il faut que les Burkinabés sachent ce qui se passe. Les officiers milliardaires en question, vous en avez parlé. Est-ce que vous allez les traquer jusqu'à leur dernier retranchement afin qu'ils rendent au peuple ce qu'ils ont pris indûment? Ce que je souhaite, même ce n'est pas les officiers seulement qui sont fautifs dans cette affaire. Il y a des militaires, il y a des civils, vous savez très bien. Vous savez qu'il y en a qui ont été découverts, mais est-ce qu'ils ont été jugés? Rien. Allez-y aussi demander à la justice, faites vos enquêtes, demandez-leur quelle est la situation. Parce que je pense que lorsqu'il y a des situations comme ça, il y en a même qui ont... Voilà, il y a des structures de lutte contre la corruption qui ont porté plainte contre certains individus dans ce pays, allant dans ce cadre-là, mais il n'y a rien eu.
Excellence, on va s'intéresser également à celle au sein de l'armée. C'est un aspect qui vous tient à cœur, mais il y a également un volet important sur la cohésion et l'entente au sein de cette armée. Bien avant votre arrivée, plusieurs observateurs avaient fait cas de division et de gestion clanique au sein donc de notre armée. Mythe ou réalité? Et si réalité, est-ce que vous êtes parvenu à restaurer la cohésion? Ce que je vous dis, la question de cohésion, il faut le prendre sur plusieurs angles. D'abord, on a dit une armée qui combat par, nous on aime dire par cotisation, c'est compliqué. Quand on dit unité, je pense que c'est du français. L'unité, ça fait un. Mais l'armée, c'est des unités. Mais on n'avait pas d'unité en tant que telle. Juste quelques unités constituées. Donc il fallait se réorganiser. Aujourd'hui, nous avons plusieurs bataillons. Des hommes qui sont ensemble, qui se connaissent très bien et qui travaillent ensemble. Ça déjà, c'est la cohésion commence par ça. Lorsque vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, vous affrontez le terrain ensemble, vous ne pouvez qu'être unis. Donc nous sommes dans cette phase et tous les combattants sont unis. Ils sont dans des unités et ils sont voilà, en bonne cohésion. Ce que vous entendez un peu par-ci par-là des problèmes de cohésion, je dirais que ce n'est pas des problèmes en tant que tel. Voilà, c'est des individus. Vous savez, il y en a qui ne croient pas du tout qu'on peut aller nous-mêmes. Pour vous dire clair, lorsque nous avons décidé de nous séparer de certains partenaires, il y a des officiers qui ont carrément écrit, les fiches sont là. D'autres sont venus nous voir, on ne va pas tenir un mois. Tant que c'est, en fait, ils sont pessimistes, ils ne croient même pas en eux. Donc ces gens vont véhiculer des messages. Voilà, en ville et tout, il y a problème de cohésion, on n'est pas d'accord avec ça. Non, on tient. Quel avenir pour la gendarmerie nationale? Comme vous êtes là, vous pouvez le dire publiquement devant les citoyens. Elle va exister, il n'y aura pas de projet éventuellement au niveau de la gendarmerie? Qu'est-ce que la gendarmerie a fait de mal? S'il y a des individus à la gendarmerie qui font du mal au peuple, ils vont répondre. Voilà. Si demain c'est toute la gendarmerie, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais pour l'instant, c'est quelques individus à l'intérieur de la gendarmerie qui sont manipulés. Donc vous le rassurez, la gendarmerie ne sera pas dissoute comme le disent certains langues. qui vous a dit ça? Écoutez, beaucoup de choses se disent. C'est une guerre de communication, c'est une guerre psychologique. Donc, vous savez, les gens sont très intelligents dans le mauvais sens. Voilà, c'est des fuites en avant. Ils s'imaginent ce qu'on va faire si jamais. Voilà, donc je dirais aux gens de ne pas s'intéresser à ces propos-là. Voilà, on sait ce qui se passe. C'est des gens qui sont intelligents, mais dans le faux montage. Les détachements militaires, voilà. Il y a des gens qui manifestent tout le temps, qui vous soutiennent. Et s'il y a des gens qui veulent organiser des marches de contestation de votre pouvoir, est-ce que vous allez les laisser faire? Ce n'est pas mon pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. C'est vous qui êtes le président? Oui, mais c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui a décidé que nous soyons là. Ça, il faut que vous le compreniez. Et si votre parti du peuple dit, on va manifester contre le pouvoir actuel, est-ce que vous êtes prêt à les accepter? Les accepter, c'est... Ils peuvent manifester. Il n'y a pas de problème.